Konnichiwa. Bonjour, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui de parler avec vous et puis de vous expliquer un petit peu mon histoire. Tout d'abord, je veux dire merci à mes clients qui sont mes fans, et certains de mes clients qui deviennent des amis. Vraiment, je vous remercie tous de me faire confiance et de savoir apprécier le travail que je fais pour vous. Sachez que c'est du travail très soigné. Je veux que ma clientèle soit très heureuse et qu'on partage toujours du bon temps tous ensemble et que vous partagiez ce bonheur avec moi et moi avec vous. Merci, merci beaucoup mes amis d'accepter mes remerciements en tout cas. Encore une fois, merci. Oui, et puis bien sûr, j'aimerais vous parler un petit peu de la philosophie, ma philosophie. Bah, tout d'abord, c'est le plaisir de faire un métier qu'on aime, d'avoir une passion. Et ma passion, c'est l'horlogerie. L'horlogerie, c'est tout mon temps. Ça me procure beaucoup de bonheur. Et ce bonheur, je le transmets dans mes montres. Et mes clients savent reconnaître cette qualité de travail et cette passion à travers mon horlogerie. Ma philosophie, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, les choses deviennent très belles. Voilà pourquoi mes collections ont beaucoup à raconter. Chaque montre a une histoire. Et chaque histoire est une histoire est réelle, une histoire vécue, et c'est ça que j'aime transmettre à travers mon horlogerie. Ma philosophie, c'est aussi ma famille, mes amis, mais bien sûr ma famille, mon fils, ma fille, ma femme, cette entreprise familiale que je protège, que je garde et que je continue à en faire une très belle légende. Donc voilà ce que je transmets encore aujourd'hui dans cette philosophie, c'est être un ensemble et cette famille partage des moments agréables pendant longtemps. Donc voilà pourquoi les montres sont faites pour durer, pour être transmises de père en fils, et ainsi avoir peut-être un jour la montre du grand-père sur son poignet et pouvoir porter une belle montre et se dire « Tiens, aujourd'hui, je entends battre le cœur du grand-père sur mon poignet. » Ceci est la philosophie suisse européenne, c'est de pouvoir porter un jour à son poignet la montre d'un être adoré tel le père ou le grand-père. Voilà aujourd'hui une belle montre qui va traverser les temps et une montre qui va devenir légendaire. Ceci est une philosophie horlogère suisse. Voilà, merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite de vous revoir très prochainement en direct. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup le Japon.